Inconvertendo est un air de haute contre accompagné par une partie de flûte, deux parties de violon et la basse continue. Alors évidemment, cette polyphonie dans les voix supérieures, deux ou trois voix, avec ce soliste dans une tessiture de ténor et la basse en dessous, cela suggérait dans la réalisation à l'orgue une tierce en taille. C'est ce que j'ai tâché de faire ici. Alors ça n'est pas tout à fait dans la forme une tierce en taille comme on en a l'habitude, puisqu'il n'y a pas de partie centrale où le soliste s'animerait davantage. Toute la pièce reste constamment dans la même rythmique et le même caractère.